hanging by a thread, hung upon all the words you said, breaking free from this conformity that you force on me. Everything I do is one big show. It's about damn time that I take control. Put me under a microscope and watch me take control. Oh, and oh, what's this? I finally rid this helplessness. Tired of feeling like I'm upside down. So I'm gonna turn it all around. And oh, oh, and dear God, save my soul, cause it is blood. Tired of feeling like I'm upside down. So I'm gonna turn it all around. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un. De toute façon, la rediff, ça sera essentiellement pour YouTube. Donc bonsoir. Enfin bonsoir. Il est 17h, c'est un dimanche. C'est pas du tout le moment où je stream d'habitude. C'est vraiment un stream ninja de ouf. Je sais même pas s'il y a quelqu'un. Je pense qu'il y a personne sur le stream. C'est pas grave, je m'en fous. Parce que en fait, j'ai eu des problèmes de connexion pour ceux qui regardent la rediffusion ou s'il y a des gens sur le stream. J'ai eu des problèmes de connexion assez chiant ces derniers jours là. En fait, la connexion a tendance à me lâcher à partir de 18h, 19h, tout vers 19h. Et donc, du coup, c'est trop chiant parce qu'en fait, elle claque de 19h à 23h et ça me fait chier parce que je peux pas streamer. Donc voilà, là il est 17h. Je vais profiter de ce créneau où je peux faire quelque chose sans trop de soucis. Puis j'en avais un peu marre de travailler là, du coup. Petit stream ninja sur Calbas et ce programme, voilà. C'est essentiellement pour la rediff YouTube, c'est pas grave. J'ai acheté Calbas il y a quoi, il y a 3-4 jours, il était en promo. Donc bon, j'ai un petit peu joué, je crois que j'ai 2 heures de jeu déjà. C'est pas mal du tout. On va bien voir ce que ça. Enfin, vous allez voir un peu ce que ça donne pour ceux qui connaissent pas. Hop. Je vais juste baisser le son. Non, attendez, je vais faire un micmac là pour le coup. On va passer en mode full. Voilà, j'ai KBS. Ah oui, non, mais. Ah, évidemment, la webcam ne veut pas s'enclencher. Là! Très bien. Donc là, je vais régler le son de la musique de merde qui est derrière. Augmenter un peu l'audio du bureau. Je vais quand même encore baisser le son. La bonne égalisation sonore. Bien. Bah super. Allez, nous sommes partis. Donc KBS, pour ceux qui connaissent pas, c'est un simulateur très poussé. En fait, c'est pas censé être une simulation hyper poussée, mais en fait, sur le principe, ça devient une simulation super poussée d'un programme spatial. C'est-à-dire vraiment tout ce qui concerne le programme spatial. En gros, vous êtes aux commandes de la NASA, mais aux commandes de toute la NASA, c'est-à-dire le comment s'appelle tout ce qui est la partie administrative, tout ça, la partie scientifique et la partie où vous envoyez des fusées dans l'espace. Donc ce sont des petits bonhommes qu'on va essayer d'envoyer dans l'espace et c'est vraiment super poussé comme simulation dans le sens où vraiment. Eh ben, comment dire. Tous les paramètres physiques sont là ou presque, du coup c'est vraiment cool. Donc on va y aller. Je vais tranquillou. J'ai fait quelques entraînements, il y a quelques scénarios pour entraîner, donc je connais un petit peu, donc je.
Je vais essayer de m'entraîner encore un peu dans le sens où je vais. Non, pas non, pas nouvelle partie. Charger une sauvegarde où j'étais en train de faire une fusée. En fait, je m'entraînais à aller le plus loin possible et à essayer de revenir sur Terre sans crever. J'avais pas un autre vaisseau là? J'ai appelé test ou un truc comme ça. Ah si. Voilà, mon vaisseau. Enfin, mon vaisseau, c'est une fusée. Je sais plus quelle gueule elle avait. Je vais essayer de l'envoyer dans l'espace. Je vais la lancer. Donc, alors. Ah oui, c'est vrai que j'avais un gros souci. Pourquoi j'avais mis trois personnes dedans? C'est vrai que j'avais un gros souci, c'est que j'avais attaché les. Celle-là, elle volait plus. J'avais attaché les propulseurs à ergol solide S1. Je les avais attachés sur le côté avec ça, avec les découpleurs radio. Mais j'en avais que. J'en avais un qui s'était accroché, ça va, ça s'était accroché, mais ça s'accrochait pas sur les deuxièmes. Du coup, c'était hyper frustrant, je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce qui fait ça. Attendez, je vais juste voir quelle gueule ça a quand on le lance. Wouh! C'était pas exactement ça que je voulais. Ça va que je suis en créative. Hop. Mais j'ai quand même réussi à récupérer. Ah non, j'allais dire que j'allais réussir à récupérer tous mes karmites sans crever. Non, c'était pas ça. Bien. Retour au bave. Le souci, c'est que j'arrive pas à accrocher les deux en même temps. Enfin, je comprends pas. Je voudrais accrocher cette fusée d'appoint qui me permet de lancer la fusée sur les deux. Sur les deux, sur le teco à la fois. Ah, je soumets un peu. Est-ce que là, ça accroche sur les deux? Attendez. Ah merde! Je vais mettre en symétrie multiplicative de 4. Voilà, là c'est directement sur le. Directement sur le machin. Oula. Les trucs qui vont pas. Pas ce que je veux. Là, est-ce que ça a l'air d'être bon? Enregistrer ça, je vais lancer. Ah oui, non, rien. Forcément, il va y avoir un souci. Il faut que j'installe. Voilà, bon étage. Donc, étage 4, c'est. Étage 5, c'est ça. Étage 4, c'est. Ça devrait être l'inverse. Voilà, c'est mieux. Ok. Ah non, ça s'accroche toujours qu'à un seul, hein. Donc là, c'est censé bien fonctionner, mais le problème c'est qu'il y a énormément de. Oh là, attendez. Énormément de roulis. Ils arrêtent pas de tanguer les trucs, et ça va vite partir en couille. C'est pas stable du tout, quoi. C'est vraiment pas le bon truc. Bon. En fait, c'est. À la libération, ça va pas fonctionner si je me souviens bien. Enfin, peut-être. On va voir ça. Donc là, ça commence à s'envoler gentiment. Salut, Claire 64. Et bah, finalement, il y a du monde. Finalement, il y a un peu de monde. Je m'attendais pas à ne pas être tout seul. L'homme seul. Là là. Donc. Ça va pas marcher, ça va vraiment pas marcher cette histoire. Ok, plus d'ergol. Libération. Aussi, ça fonctionne? Allez, à l'image du deuxième moteur. J'ai mis la stabilisation avec le SAS. C'est parti. Dans l'idée, je voudrais aller le plus haut possible et redescendre sans tuer tous mes kermites. Ça serait cool. Donc on est à 12 km de haut. Je suis le nouveau Elon Musk. Accélère un poil de temps. Pas un truc pour accélérer le temps un peu. Bon. Une touche pour accélérer le temps. Alors, on
On est à un tiers de l'ergol qui est passé sur la carte du. La carte spatiale, ouais, le point de l'apogée. L'apoastre, pardon. L'apoastre s'élève de plus en plus, donc on va aller assez haut. Dans l'idée, j'aimerais bien essayer de voir si on peut pas essayer de se foutre en orbite. Donc, pour ça que j'arrive. Ah, je suis en orbite. Je vais essayer de m'incliner un peu. C'est des tests, hein. Honnêtement, j'ai 2 heures de jeu dessus. Je suis en plein test. Donc là, normalement, la courbe est carrément plus elliptique. Ah ouais, mais je retombe toujours. Ah, quand même. J'aimerais vraiment qu'on arrive à se foutre en orbite. Mais j'ai plus rien comme fusée d'appoint. Je suis à... La station spatiale internationale, elle vole à 300 km d'altitude, donc je suis encore très loin, je suis même à peine à la moitié. Oui, mais j'ai j'ai encore un peu d'ergol et je suis à 2500 km par seconde. Bah, 2500 mètres par seconde. Wow. Peut-être atteindre les 3000. La question. Donc là, on arrive à la bout de mon ergol. Ah putain, je suis en vitesse de libération! C'est quoi le défi? Bah là, je me suis pas trop mis de défi, j'apprends à jouer en fait. J'apprends vraiment à jouer, j'ai vraiment juste 2 heures. Donc autant te dire que je suis pas un très bon joueur de Kerbal, je sais pas si tu as joué. Là, ce que je voulais, c'était me mettre en orbite autour de la planète. Je crois que je suis allé un peu plus loin. J'ai atteint la vitesse de libération. What the fuck? Attendez. Libération de carbine. Je peux pas me déplacer sur le... Il y a un truc qui va pas là dans cette histoire. On va accélérer un peu le temps. Ah si. Je suis carrément en vitesse de libération en fait. Dur, je m'attendais pas à ça. C'est parti. Bon bah voilà, mon premier truc spatial, vraiment spatial là pour le coup, et je suis parti. Bon bah par contre je peux plus rien faire là, les trois Kermites ils sont morus. Parce que là pour le coup j'ai rien pour les récupérer. Oups. Désolé les gars. Moi j'aurais bien voulu cibler la lune d'abord, mais ça a l'air d'être un peu compliqué. La mune, pardon. C'est pas la lune, c'est la mune. Qui est à 11 000 km d'altitude. Ouais, 11 000 km. On peut même plus parler d'altitude à ce niveau-là. Ouais. Je suis sur cette orbite-là. Apoastre du Soleil. Cette histoire. Le soleil est un apoastre. Je comprends pas. Périastre. Moho, Eve. Donc ça c'est Carbine. Carbine avec la mune. Plus loin on a Dress, Joule et Elou. D'accord, plus c'est, on est de plus en plus loin. J'en suis où, moi? Je suis carrément plus loin. En fait, je suis pas très loin non plus, parce que... là, d'accord, je suis au niveau de la... De la mune, quoi. Salut, Kanyashu, et... Bon, salut, Fro le mage blanc. Ah, super, j'adore ce pseudo. Je t'ai découvert hier sur tes vidéos Star Citizen, elle était très sympa. Eh ben, merci. Tu n'es pas le seul à trouver qu'elles sont sympas, mais tu n'es aussi, tu fais partie aussi des personnes qui pensent qu'elles sont sympas par rapport aux autres qui pensent qu'elles sont vraiment à chier. Voilà, j'essaie de m'entraîner. En fait, c'est l'entraînement avec Star Citizen. Hein. Je suis pas hyper à l'aise non plus sur le jeu ni le sujet. Ah oui, j'ai pas du tout une orbite stable. Disons que les vidéos Star Citizen, c'est un travail de recherche et de synthèse, c'est tout ça, et j'essaie de faire de mon mieux pour faire des bonnes vidéos où je suis
un minimum objectif où j'essaye de contrebalancer l'aspect super cool du jeu parce que j'ai vraiment envie que ça avance et que ça donne un super résultat. Et en même temps, j'essaye aussi de mettre un peu de lever un peu le pied, de pas trop penser que Star Citizen va être ultime et tout ça parce qu'il y a aussi des trucs qui vont pas. Il y a aussi plein de trucs qui vont pas. Et donc j'essaie de lancer des débats. Et c'est super cool parce qu'il y a des commentaires qui rentrent vraiment dans le jeu et je trouve ça bien. D'autres qui m'insultent juste. Mais bon, ça fait partie de YouTube quoi. Pareil, je t'ai découvert avec les vidéos sur Star Citizen. Bah ouais, faut croire que ça a bien plu. Il n'y a pas beaucoup de vues par rapport à certaines de mes vidéos, mais c'est celles qui ont le plus de réactions et c'est vraiment ça que je recherche. C'est vraiment avoir des réactions et engager des débats. Bon, alors du coup, je vais accélérer carrément le temps. Allez hop, 10 000 fois. Et j'ai une question, c'est... Ah non, je suis encore un peu loin parce que là, je crois que je suis à 30 000 minutes de... 50 fois, 100 fois... Du coup voilà, petit stream tranquillou sur Kerbal que j'ai acheté il y a 2-3 jours là, quand il était en promo sur Steam. Et donc j'essaie des trucs, je sais pas comment ça marche, enfin si je sais comment ça marche un petit peu, j'ai fait quelques tutos mais pas grand chose. Du coup, qu'est-ce qui se passe là? Là ça y est, je suis sorti de l'orbite... Qu'est-ce qui se passe si j'accélère encore le temps? Ah d'accord, cette fois-ci je suis sur l'orbite l'orbite du soleil, je suis tombé dans l'attraction du soleil du coup. Ah, hop, attendez. Du coup je suis vraiment perdu. Ah oui, il y a la moon, là non, ça c'est la c'est carbine là. Donc là techniquement je dois gentiment orbiter autour du soleil à une vitesse relative par rapport au soleil de 10 km par seconde, putain de merde. Je trouve ça assez ouf, les vitesses relatives des fois, c'est des trucs qui ont un peu aucun sens. Ça se ressent pas, genre je crois que la Terre elle tourne à... La Terre se déplace autour du Soleil à une vitesse de 3200 km par seconde, un truc comme ça, faut que je dis peut-être une connerie. Mais à une vitesse relative de 3200 km par seconde. Je crois. Attendez, je vais chercher. Vitesse relative... Terre-Soleil. La Terre tourne à une vitesse quasi constante puisqu'elle fait le tour sur elle-même en un jour. À l'équateur, se donne une vitesse de 1670 km/h en moyenne. Voilà, donc ça c'est pour la Terre qui tourne autour d'elle-même. En orbite autour du Soleil, ah ouais, non, c'est carrément plus, 107 280 km/h. Ah oui, mais j'avais dit en kilomètres par seconde. Du coup, 107 000 divisé par 3600. À peu près à 30 000 km par seconde. Ah oui, c'est quand même pas mal. Et encore pire quand on considère le soleil qui tourne autour d'elle sur la voie lactée. Qui tourne dans la voie lactée. Bref, revenons à nos moutons. Ou plutôt revenons à nos kermites. Donc eux, ils sont complètement bloqués sur le machin parce qu'ils n'ont plus rien pour s'en sortir. Bref, du coup, je pense que celui-là de vol, c'est la fin des haricots pour eux. On va retourner au centre spatial. C'est malheureux, mais voilà. Donc là, je suis en mode créatif, hein, donc c'est vraiment... je fais ce que je veux. Essaye de faire plusieurs étages à la forêt. Il faut le dernier, faut que tu réussisses à le diriger pour le mettre en orbite. Ouais, on va essayer un truc comme ça. Parce que là, la gueule de ma fusée, actuellement, c'est ça. Donc c'est une grosse fusée et c'est essentiellement du fuel. Il y a juste un truc que j'arrive pas à faire et que honnêtement, je savais pas que ça allait marcher. En gros, j'ai essayé de mettre mes... Merde. Y'a pas un CTRL Z ? Oui, si. Voilà. J'ai essayé de mettre des propulseurs à ergol solide sur le côté. C'est eux qui me permettent d'avoir la poussée initiale pour pouvoir m'arracher du sol. Donc ça, c'était le principe de base. Le corps du truc est censé s'activer quand on est plutôt dans l'espace, ou en tout cas dans l'entrée de l'espace. Ça marche bien. Le seul souci, c'est qu'en fait, c'est un petit peu aléatoire, étant donné que les découpleurs qui sont là, en fait, le découpleur du bas n'est pas attaché au moteur d'appoint. Et ça me fait chier, parce que j'aimerais bien que les deux soient attachés, parce que ça marche pas. Ça peut te rassurer, j'ai bien galéré quand j'ai commencé KRXP. T'inquiète pas, je sais que tout le monde galère de ouf. Je me poile de rire devant les vidéos du JDG sur,
sur KSP. C'est un peu pour ça que j'ai pris le jeu, c'est parce que je me suis dit il faut un jour que je l'achète. Du coup, j'ai fait quand même quelques petits entraînements, hein, donc j'ai réussi à lancer une fusée, tout ça, pas de soucis. Mais vraiment, c'est cette partie, c'est le couplage, là, je comprends pas comment ça marche. Comment je fais pour coupler, pour double coupler un truc? Parce que dans mon étage, là, il y a bien les deux qui sont... Enfin, j'enclenche bien les deux découpleurs. Enfin, les deux étages de découpleurs, donc en même temps. Donc eux, ces deux-là, ils se lâchent bien en même temps, mais sauf qu'il y en a qu'un seul qui est accroché, et je sais pas comment accrocher le deuxième. Centre de masse, centre de poussée. Aérodynamisme. Ça affiche quoi ça? Ça affiche ça là-haut? Ok. Très bien. Donc, alors. Est-ce que je serais pas une nouvelle fusée? On va essayer une nouvelle fusée. Hein. Nouveau. Sauvegarder et continuer. Très bien. Donc, on va essayer de faire une fusée à plusieurs étages. À plusieurs étages, on va faire... Par quoi on commence, généralement? Les réservoirs? Dites-moi, par quoi vous commencez généralement pour faire une fusée à plusieurs étages? Je sais pas trop. La question que je me pose, c'est comment je fais pour... est-ce que je peux mettre des propulseurs inter-étages? Orbital monoétage. Est-ce qu'on peut faire plusieurs étages avec plusieurs propulseurs? Je commence par le haut perso. Ah, tu veux dire par les capsules? Je prends une capsule comme ça, quoi. Entre une capsule, je vais mettre un parachute, au cas où. Ok, alors, je suis un peu bugué. Ah, oh. Un petit parachute. On va faire une petite fusée, mais on va essayer de la faire à deux étages. Non, ça c'est propulseur, réservoir. Ça c'est du liquide, antioxydant. Putain, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Alors c'est génial, mais alors pour rentrer dans le truc, faut s'accrocher. Genre, mettre un propulseur à un certain niveau et... Genre, est-ce que je peux accrocher quelque chose en dessous? Un découpleur. C'est où? Non, trop petit. Ok. Donc là, est-ce que je peux accrocher un autre réservoir? Ouais. Ah, on tient un truc là. On tient carrément un truc. Eh hey, mais celui-là, je crois que je peux pas l'orienter. C'est possible que je puisse pas l'orienter le. Du milieu. Il faudrait peut-être que je m'oriente d'abord et que j'essaye ensuite de... Ah ouais, ça peut être cool. Je vais essayer de faire un truc comme ça. Alors, on va essayer de mettre deux étages parce que c'est lui qui va nous donner une... Alors, attendez, hop, c'est Alt, si je me souviens bien. Ah. Je sais pas combien il y a de réservoirs. Ah, c'est tout petit. Ouais, mais ils sont pas très gros aussi. On a pas mal d'ergol liquide, pas mal d'antioxydants. Hop. Un propulseur. Il faudrait un truc qui consomme pas énormément. Ah, ça peut être pas mal ça. C'est pile poil la bonne taille. Ça me paraît bien comme base. Elle est grande, hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grande. Ça me paraît bien comme petite base déjà. On va... Alors, attendez. Non, je ferai le... Comment ça s'appelle? Les étages après, là, sur le côté. Parce que je vais encore ajouter des trucs. Je veux... Donc, ça va être la partie pour vraiment s'arracher de la terre de... Kerbin.
Le mode carrière est bien pour débuter aussi car on commence avec un peu de composants et on a du bloc au fur et à mesure, on n'est pas noyé par la quantité. Ouais, c'est vrai. J'aurais peut-être faire ça, mais là vraiment c'est tentative de truc pour essayer de pas me trop planter au départ. Hein. J'ai vraiment juste 2h30 de jeu. Vous pouvez voir? Ah non, vous pouvez pas voir l'interface Steam. 2h au total, voilà, c'est ça. Donc du coup, là, ce que je voudrais, c'est mettre des propulseurs d'appoint ergol solide pour commencer. Bon, je vais pas les accrocher juste comme ça, mais je vais voir la taille qu'ils ont. Ils sont vachement gros en fait. Donc ça, les ergol solides, ça serait pour... ça serait pour se libérer, enfin pour lancer le truc au démarrage. Mettre l'activation, l'accrochage. 4 c'est beaucoup. Hein. Déjà, 3 je suis même pas sûr que ça rentre. Essayer avec 3. Essayer avec 3. J'ai pas mis des coupleurs là-haut, je crois. Faut que je mette un découpleur, je vais en mettre un. Là, l'objectif, c'est objectif MUN. Comme la BD de Tintin, sauf que vous changez avec un M à la place d'un L. Je vais pas y arriver, bien sûr, mais je voudrais essayer de me diriger vers la Lune, quitte à m'écraser dessus. Je vais vraiment tester des trucs. Ok, on va faire baisser la fusée. Je sais pas si elle se descend automatiquement ou... Bien, je pense que là, on tient un petit truc. Elle devrait aller assez vite, elle devrait aller assez haut. Objectif, la mune. Bon, alors, par contre, il va falloir réorganiser tout ça. Donc, cet étage-là d'abord, ensuite les découpleurs, ensuite on allume celui d'en bas, bien sûr. Ensuite, c'est celui-là de découplage. On va pas découper les deux en même temps, ça serait quand même débile. Celui-là, ensuite c'est ce moteur-là. Ensuite, c'est lui, et ensuite c'est le parachute. Il n'y a pas de... Parachute au cas où. Ouais, on va dire parachute au cas où, même si je pense qu'il y aura... Il n'y aura pas d'atmosphère sur la mune. Objectif mune. Alors. Bien. J'ai oublié de prendre un carburant. Ah non, ça se fait automatiquement. Très bien. Bon bah. Advienne que pourra. C'est la manette des gaz. Oula, j'ai oublié le sas. Voilà. Donc nous, l'objectif, c'est ça. Finir comme cible. J'ai l'impression de monter super vite. Elle va pas être très très lourde, ma fusée. À 10 km, donc j'arrive à faire 12 km avec les premiers propulseurs. Libération, activation des deuxièmes. Oula! Alors c'était pas censé exploser. Tant pis. Pas très très grave. Je vais baisser un peu la. J'arrive à maintenir. Ok, donc là on est à une vitesse de 630 km par seconde. Ça va me laisser un peu de temps de vérifier où est-ce que je suis. Donc. Ouais, je devrais pouvoir aller plus loin là. Ça paraît bizarre. Objectif, la mune qui est là. Faudrait que je tourne. C'est l'enfer. Faudrait que je tourne. Est-ce que je peux. La question c'est est-ce que je peux pas essayer d'utiliser ça en ouvrant un maximum la courbe. Donc là si je mets les gaz un peu. Ah mais je vire le SAS. Donc là. Incliner plus. Bien.
caisse des trucs. J'ai comme l'impression que j'aurais pas du tout assez de quoi aller sur la mule. Ah, j'étais même pas en orbite en fait. Mais j'ai pas du tout dans la bonne direction, je suis carrément en train de... Hein. Ah, c'est chaud, comment on fait pour gérer cette inclinaison? Alors, là j'en ai plus. Waouh, waouh, waouh. Se casse. Alors. Donc ça marche. Cette façon de faire fonctionne, c'est déjà ça. Technologiquement parlant, ça se tient. Par contre, je suis carrément pas assez haut. Je suis carrément pas assez haut du tout. Alors là, ça se stabilise. Ah bah la mine, elle est là-bas. Super dur à stabiliser ce truc. Là, si j'accélère un peu le temps. Ah d'accord. Là, ça donne quoi? Ah, c'était pas si mal, hein. Ouais, je suis encore super loin de la mune, mais c'était pas si mal. Pour un premier test. Je vais carrément me casser la figure. Je vais voir si mes... Alors, on va voir s'ils vont survivre. Oula, oula. Ok, là je suis rentré dans l'atmosphère. Enfin, je fais une rentrée. Il faut que tu mettes les boosters pour partir de la Terre et ensuite les propulseurs. Puis après, tu utilises le corps de la fusée. Ok. La question c'est, est-ce que je vais pas rentrer comme un bourrin dedans? Ouais, c'est carrément. Ça je sais pas encore faire, les rentrées atmosphériques c'est toujours pas ça en plus. Hein. Bien! C'était pas si mauvais. C'était pas super, mais c'était pas si mauvais. Ok. Donc, les boosters pour partir de la Terre. Des propulseurs, et après tu utilises le corps de la fusée. Alors, propulseur c'est ça. Qu'est-ce que t'entends par booster du coup? Parce que là, j'ai les réservoirs, donc ça c'est ce qui concerne le corps de la fusée. Ensuite, en propulseur, j'ai tout ce qui utilise les... Tout ce qui utilise directement les ergols et l'oxydant. Même si il y a dans la même catégorie les propulseurs et ergols solides qui n'ont pas de... Que, je crois que, si, il y en a peut-être. Donc, il y a aussi des. Donc, les propulseurs à gueule solide qui sont les trucs sur les côtés là où il n'y a pas besoin de réservoir, c'est déjà intégré. Turboréacteur. Turboréacteur, tu peux. Faut mettre un bouclier thermique sous ta capsule. Ah, oui, c'était peut-être pas con ça, cette histoire. C'est dans utilitaire, non? Charge utile, aéronéamique, sol, thermique, thermique, c'est dans thermique, forcément. Donc ça permet de... Mieux. Donc, tout ça ne règle pas mon... Mon problème de puissance. Pouette. Ah oui, sa gueule. On dirait que je joue à sport là pour le coup. Pouette, on dirait un klaxon. Donc, propulseur à ergol liquide mammouth. Alors là, celui-là, il a l'air d'être gros. Puceron, donc ça c'est celui de l'entraînement. Regarde l'ISP des moteurs, ça semble plus adapté pour l'atmosphère ou l'espace, vacuum, ouais.
D'ailleurs, c'est tout en français, du coup, c'est pratique, j'ai même pas besoin de taper les traductions. Ce qui est un sacré avantage. Ah oui, d'accord, donc lui... Donc c'était les cogneurs. Les cogneurs... poussés dans le vide... Ah, eux, ils sont plus adaptés au vide qu'à l'atmosphère. Là, j'ai quoi? J'ai le propulseur à de kill LV-30 débrouillard, d'accord. Grand voile, nana, skipper, débrouillard. 205,161 kN dans l'atmosphère, 240 kN dans le vide. Putain, va falloir que je commence à écrire des trucs parce que sinon je vais jamais retenir. Alors, celui-là il fait du 300 dans le vide et du 250 en atmosphère, donc il est plus puissant que celui-ci qui est en atmosphère. Le dernier moteur que j'ai, c'est le propulseur rapière. R7 rapière, ok. Lui, il est... ils seront tous plus performants dans le vide, parce que forcément, il y a moins de frottement, mais... Il y a 162, c'est pas ouf. Je ferais bien une nouvelle. Je suis en train de réfléchir, je ferai bien une nouvelle. Parce que là, j'ai compris qu'on pouvait mettre plusieurs étages. Ça y est, ça fonctionne. J'ai compris qu'on pouvait, mettre gentiment plusieurs étages de fusées et les libérer et d'en axonner plusieurs à la suite. Plutôt cool. Mais je pense que cette fusée, je vais la garder, je vais la laisser de côté. Je vais en faire une nouvelle. Sauvegarder et continuer. Bien. Alors, on va repartir, comme disait Fromage Leblanc. Plutôt à partir d'une capsule, on va grosse, moyenne. Elle est où, mec ? Voilà. Peut-être partir sur une plus petite. Ok. Guidage à distance. Ça, c'est le module de guidage à distance. Ok, QB. Regarde un petit peu aussi au passage. Rissage. En revanche, elle est incapable de survivre à une rentrée atmosphérique ou à un éternuement. Un éternuement énorme. Alors, l'utiliser rapidement. Thermique. Ok, donc là j'ai ma base. Bouclier thermique, machin, tout ça. Donc on va mettre un découpleur. Bien. Tu vas vers le haut, c'est bon. La question maintenant, c'est les histoires de propulseurs. On va rapidement passer dessus. Donc celui-là, c'est... ou faiblard, ça a l'air plutôt fait pour être fait pour un rover ou des trucs comme ça. Ça pareil aussi. Ah, celui-là c'est plus la même. Rhino. Ok, c'est le moteur de d'Alpha Cone Heavy là pour le coup. C'est pas la même size. Double truffe. Lui aussi c'est de la sacrée size, ouais, c'est un truc complètement monstrueux. Fourmi. Ah, c'est Rikiki. Un propulseur pour fourmi. Ah oui, là j'avoue. La poussée atmosphérique est Rikiki. Et c'est. Ah, et en plus, elle est pas du tout performante. Tu sens tellement que. Le facteur R est hyper limitant. Parce que là, il y a un rapport de un quart. C'est un quart de puissance en atmosphérique par rapport au vide. Je sais pas du tout quel est le rapport de puissance. Hop, attendez. Voilà. On va mettre une jolie fenêtre à droite. Araignée, donc ça, celle-là. Ah oui, son rapport est carrément mieux par rapport à la fourmi. Ah oui, ça, c'est du contrôle de fusée pour le coup. Terrier, donc là, c'est du 60. Donc ça, c'est plus performant, ça doit être la même gamme en fait, celle-là. LV. Ah, celui-là est mieux quand même. Par rapport au Gironimo. Ou alors attendez, quoi? Amplitude de vectorisation. Ah, mais par contre, lui, il a. Quoi? Cardan, amplitude de vectorisation. Ah oui, d'accord. Celui-là, il permet d'orienter sa poussée. Très bien. Donc, je le garde dans un coin de ma tête. C'est atmosphérique. Lui, il est gros.
Ah, peut-être qu'une fusée moyenne, ça serait pas mal, parce que je me dis s'il faut qu'on arrive à s'arracher du sol assez loin. Qu'on puisse s'arracher du sol. Et les versions mammouth, tout ça. Ah, il est pas si gros le mammouth en fait. Vecteur. Ah, lui il a l'air assez performant. Il est pas si gros en plus. Par contre, il doit avoir une consommation de malade. Ah, ouais. Et en plus, il a une sacrée vectorisation. J'avais pas vu Jean-Maurice qui me disait l'ISP, d'accord, ok, très bien. C'est pas juste la poussée atmosphérique ou quoi, c'est vraiment l'ISP que est intéressant. Ou que ça a l'air d'être lié quand même. Ah, j'adore ce genre de jeu un peu complexe là. Bon, alors, attendez, vous savez quoi? On va voir ce qu'on peut mettre comme alcool liquide. On va avoir besoin... Je voudrais essayer celui-là... Ah, non, pas celui-là. On a dit plutôt le débrouillard. Le débrouillard avait l'air pas mal. Donc, il demande de l'ergol liquide 7.1 et de l'oxydant 8.6, on va dire 8.5 pour des calculs rapides. Donc, du 7 et du 8.5... Rapport entre les deux assez léger. Donc là il y en a pas mal. C'est un fuselage long. Ah oui, c'est grand. Pas du tout adapté. Y a pas des trucs avec pas juste de l'ergol liquide, ou alors je suis obligé de me taper en rond avec autre chose que l'ergol liquide. Celui-là est massif. Celui-là a l'air plus léger. Et... Ah! Donc lui, il a oxydant. 3-6. Ouais, il y en a un qui est divisé par deux. Et en termes de taille, là, c'est quasiment les mêmes. Ah, attendez, hop, on va zoomer. Donc j'ai dit deux étages. Donc les boosters pour partir de la terre, les propulseurs, et après tu utilises le corps de la fusée. Donc on va mettre ça pour la fin du voyage. Parce que c'était pas mal avec cette histoire là. Ah, lui il demande de l'air. L'histoire était pas si mal là, je pense. Pour arriver sur la fin avec une... Bah, si on arrive jusqu'à la fin. En couplage pour la deuxième partie. Donc je disais, sinon pour le reste, c'était où? Par là. C'est plutôt ça, je voulais en coller... On va dire deux. Va être assez longue cette fusée. Et ensuite le propulseur qui va avec. Donc lui c'est vraiment celui qui va essayer de nous arracher l'attraction de la planète. C'est pas celui qui va donner la première impulsion par contre. Un truc qui soit assez balèze dans le vide. Ça m'a l'air pas mal. Hein. 85 atmosphères, 345 vides, 265
Atmosphère 318. Ah mais je serais pas arrivé au bout de l'atmosphère. C'est possible que j'arrive pas au bout de l'atmosphère. Peut-être, je sais pas. Hein. On va essayer. On va quand même essayer 320 ou alors un compromis avec le Gironimo. On peut essayer avec un compromis. Donc là, nous avons hop, le corps de la fusée. Bon, le corps de base. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de faire la poussée, la vraie grosse poussée qui va pouvoir nous sortir de là et aller en direction de la mune. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de faire les derniers kilomètres. Mais tout ça, ça va pas, pas suffire. Je dirais bien mettre des conneurs sur les côtés. Bon, pas juste comme ça. Je suppose que ça c'est vraiment lourd parce que c'est du 24 tonnes donc c'est quand même aussi gros que ma fusée. Ok. Ok. Donc il nous faut du couplage. Il va falloir pouvoir l'accrocher sur les trucs. On va plutôt utiliser un découpleur radial plus petit, je pense. Plus qu'il faut zoomer. Je vais utiliser la symétrie. Je pense que j'ai pas du tout la place d'en mettre plus de 3, donc on va commencer par 3. On va accrocher les cognards dessus. Bien. Un peu d'aérodynamisme. Est-ce qu'il n'y a pas des petits cônes? Au gros les cônes. Ça marche pas. Pas fait pour. Pas fait pour. Marche pas bien. Ok, c'était ça. Pas bien. C'est déjà un poil plus aérodynamique, je pense. Ok, maintenant les étages. Donc, le découpleur final. Logique. Paraît bien. Ça, les découpleurs. Ça, les découpleurs. Et ça. Oh bah tiens, c'est pile dans le bon ordre. Celui-là, ça va être objectif mine 2. Bien. C'est parti. D'accord, plus personne. Stupidité. Ah, j'avais pas encore vu. Allez hop, j'ai embauché du monde. De toute façon, je crois que je suis en mode free, donc je m'en fous. Faudrait vraiment que j'essaye le mode carrière. Ça a l'air d'être cool aussi. Je sens que je vais encore perdre du temps sur ce jeu. Ça va être drôle. Bien, alors. Bah, c'est parti. Qu'est-ce que ça donne? Oui. Mettre la manette des gaz pour après. Donc là, actuellement. On n'arrive pas à s'arracher du sol. C'est dur. Ça fait une sacrée traînée quand même. Ok. Découplage. Lancement du niveau 2. La question c'est en quelle direction est la mune? De toute façon je suis toujours pas sorti. On va pousser un peu le. Alors là j'en suis où? J'en suis là. Putain, de l'autre côté. Donc, la pire position du monde pour pouvoir y aller. Je suis pas du tout incliné dans le bon sens. Enfin. Sortir de là. Ah! La mune, où es-tu?
j'en sais rien. J'arrive pas à savoir dans quel sens elle est, comment je fais pour tourner. Ça doit être ça, ça doit être le violet. Non, 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 arrête de faire le con. Arrête de faire le con. Dire que ça c'est bon. Dire que ça c'est bon, putain c'est la galère. J'ai quasiment plus d'ergol liquide. Je suis jamais y arrivé. C'est avec une petite fusée comme ça, ça me paraît un peu compliqué en fait. Ou possiblement c'est juste moi qui sais pas jouer. Hein. Je pense que la deuxième option est quand même plus plausible. Arriver au bout de l'ergol liquide. Est-ce que je vais arriver à faire quelque chose? Nœud ascendant. Des trucs que je comprends pas très bien quand même. Hein. Ok, je vais relancer mon truc, on va voir ce que ça donne. C'était pas censé servir pour ça, mais j'aimerais bien juste me foutre en orbite en fait. J'ai juste l'impression que c'est pas possible avec ce que j'ai comme fusée. Pourtant j'ai une apogée qui est assez haute quoi. Le tout c'est de pas retomber sur la... Ouais, c'est pas un truc que j'ai l'impression de pouvoir faire en fait. Quoi? Putain, j'ai juste l'impression que j'avais pas assez d'inclinaison. Et là, du coup, j'ai beau m'orienter, ça a l'air d'un con parce que j'ai plus d'accélération. Ok, très bien. Pour aller sur Moon, c'est pratique de se mettre en orbite autour de Carmine avant. Oui, oui, je suis complètement d'accord parce que là. J'ai l'air d'un débile. Coucou, c'est moi le débile. Ah, c'est pas ouf ça. J'arrive pas à me mettre en orbite. Attendez. La lune va avancer forcément. Mais techniquement, je suis sur le bon plan en plus, hein, j'ai l'impression. Attends, quoi? Est-ce que ça serait possible de... Ah, je l'ai raté. Ah, quoique... Oh, est-ce que ça serait possible? Attendez, vous y croyez ça? Je devrais arriver à peu près en même temps que la lune. Non. Et du coup, je me fous légèrement en orbite de la lune, quoi. Oh, c'est ouf. Oh, c'est énorme. Ce coup de chat. Bon, là je vais retomber sur la terre, mais oh, ce coup de chat. Et ben voilà. On va essayer de s'approcher au maximum et ensuite je vais lâcher le point mort. Je peux pas m'orienter plus. Ah, je suis complètement bloqué. Ah oui, je peux pas. Ok.
question, c'est est-ce que ça a servi à quelque chose que j'ai fait? Alors, je pense que c'est. Je suis pas assez. Elle est pas assez massif, la mune. Pour arriver à m'attirer. Ah, c'est pas faute d'avoir essayé là pour le coup. Ouais, je suis pas passé loin. Je suis vraiment pas passé loin. Énorme. Je pensais pas. Honnêtement, je pensais que j'étais parti pour aller voir ailleurs. Ah, c'est là que j'aurais dû garder un peu de gaz en fait. Là, j'aurais fait directement sur la mine. Ça aurait été génial. Mais en fait, non. Mais en même temps, j'aurais pas aluni. Je me serais écrasé dessus. J'aurais fait un nouveau cratère. Ah, c'est drôle quoi. Ça fait 10 jours qu'il est dans le truc. Il est super content. Il est dans sa capsule depuis 10 jours. Ah, les gros cons. Attendez, je peux pas. Comment je fais pour quitter ça? Très bien. Je ne peux pas quitter la vue. Genre pas possible. Alors ça c'est bizarre. Ça c'est particulièrement bizarre. Bon, bah, de toute façon j'ai passé la mune. Ah, je suis vraiment pas passé loin quoi. Ah là, dommage. C'est quoi ça, cette orbite là? Ah, c'est le Pyrias de Kerbin. Ok. Je sais, tu crois? Alors. C'est bien la touche C. Merci, fromage le blanc. Bon bah voilà, on a fait coucou à la mune. Et elle va aller gentiment. Cette capsule va aller gentiment s'écraser sur. Sur Kerbin. Donc pas du tout en fait. Ah non, elle s'est carrément satellisée là pour le coup. Elle s'est carrément satellisée. Et on est arrivé sur leur. Ah ouais, d'accord. Ok, donc j'ai carrément chié mon truc. Quoi. Bon. Très bien. Ce fut intéressant. Mais ce que je vous propose, c'est que je tente le mode carrière. On va voir. Je vais grignoter un truc. Comme un sale gros. En fait, je le fais. Alors, mode carrière. En mode carrière, vous devez gérer tous les aspects de votre programme spatial. Les fonds, la réputation et les sciences sont activés. Et les contrats sont disponibles au niveau au contrôle mission. Difficulté, facile, normal, modéré, difficile, personnalisé. Aller en normal parce que je suis pas un warrior et je suis pas non plus un néophyte de ouf. Je vais appeler carrière. Twitch. Comment j'ai écrit Twitch? Mieux. Bah en route. Alors, invite faire votre connaissance. Je suis Jen Kerman, directeur de vol et votre guide dans cette introduction rapide. Ok, l'installation c'est bon. Eh hey, mais elles sont toutes pourries en fait. Ah du coup là j'ai aucun tuto, ok d'accord. Bien, bâtiment administratif, Mortimer Kerman Finance, Linus Kerman. Oh, c'est vrai que. C'est vrai que t'as une nouvelle vidéo.
Nouveau let's play ce soir sur dans 2 minutes là qui sort sur ma chaîne. C'est sur XCOM Declassified. Donc levée de fonds, dépôt de brevet, programme de recherche non rémunéré, R&D localisé, campagne publicitaire, programmation technologie open source, programme technologique open source. Hop. Subvention publique. Je possède 25 000 racines carrées. C'est quoi ces trucs? Genjo, je sais pas à quoi ça sert. Gus Kerman, négociation agressive. Installation de transpondeur de récupération, projet leadership. Et là, c'est la science. Très bien. Complexe astronautique. D'accord, donc c'est l'embauche. Pas tout de suite. Max 5, j'ai 4 carbines de disponibles. En service 0, perdu 0, disparu, les pauvres. Ok. Pilote, ingénieur scientifique, pilote. Très bien. Je fais le tour, hein, pour le coup. Mat drapeau, ok, d'accord, c'est pour changer ça. Ça, je l'avais vu. Étant donné que je vais souvent laisser dans des capsules, je vais mettre le symbole d'une capsule. Air de lancement, évidemment, c'est où j'étais. Contrôle mission. Lancez votre premier vaisseau, récoltez des données scientifiques sur carbine. Échappez-vous hors de l'atmosphère, placez-vous en orbite autour de carbine. Ah, d'accord. Lancez votre premier vaisseau. Agence... l'un des piliers de l'agence... Personnel... Okay. Commencez par faire décoller quelque chose de sérieux. Depuis l'air de lancement. Mm-hmm. On s'inquiétera des futilités comme la survie plus tard. Ok, nous allons faire de la science. Ok, donc faut faire un premier vaisseau depuis un lancement ou la piste de décollage. Ça va, je devrais y arriver. Écoutez, des données scientifiques sur carbine. Envoyez-nous un petit rapport d'équipage avant le lancement. Vous inquiétez pas si quelque chose flash sur le tableau de bord. Donnez juste un coup de pied dedans. Alerte ogive. Vous avez qu'à tapoter un petit coup. Récupérer ou transmettre des données scientifiques depuis carbine pour remplir cet objectif. Échappez-vous hors de l'atmosphère. Si on va pas dans l'espace. Donc franchissez l'atmosphère en pilotant un vaisseau jusqu'à une altitude de 70 000 mètres pour remplir cet objectif. Ah, je peux pas en mettre plus. Bon, j'ai déjà les deux premières les plus faciles. Bah du coup on va commencer. Parce que la piste de décollage. Ah, R&D. Waouh, mon cul. On va se calmer tout de suite. Les arbres comme ça, ça fait toujours un peu peur. Technologie trop chère, ingénierie du dimanche, sa physiologie de base. Très bien. Bon, ça vaut pas celui de Path of Exile, hein, clairement. Ça devrait aller, je devrais m'en sortir avec ce truc là. Je gagne de la thune ou j'en ai perdu là? Bâtiment d'assemblage, station de contrôle. Station de contrôle, c'est quoi ça? Ah! Ok, donc ça c'est la carte avec vraiment les positions, les prochaines missions, des trucs comme ça. Très bien! Super. Nous allons donc faire, avec l'aide de Werner von Kermann, ingénieur en chef spatial qui a quitté l'Allemagne à la libération. Très bien. J'ai pas l'air d'avoir grand chose, du coup bah ça va aller vite. J'ai pas de réservoir, donc lui il a intérêt à avoir de l'ergol parce que sinon ça va pas aller. Impossible d'éteindre le moteur, très bien. L'ergol, il a de l'ergol, ok. Ouais, mais je dois avoir besoin de découpleur. Sous la structure de verre avec des segments de poutrelle et jouer maxo quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Couplage. J'ai rien au couplage. Waouh. Ah bah tant pis, je pense qu'il va y avoir des morts. Ok. Sol, thermique, électricité, communication. Ah, j'ai rien pour communiquer. Science. J'ai un peu de trucs pour faire de la science. Ça va full déséquilibrer le truc, donc je vais le mettre en deux.
utilitaire. Ah, j'ai un parachute. Ok, la question c'est est-ce que le parachute va arriver à tenir? Donc là j'ai bourré tout ce que je pouvais avoir. Allez, à la limite des ailettes. On va mettre des ailettes. Séparer ça, je vais mettre bien sûr le parachute en deuxième. Enfin en premier. En zéro, qui est le deuxième en fait. Tap, structure, propulseur. Bah j'ai tout là en fait. Donc on a un super pilote. Premier vaisseau. On a plus de pucerons parce qu'en fait y'a rien du tout. Pucerons. Très bien. Pas avoir beaucoup de vaisseaux, oui effectivement. Coût de 1922, bah très bien. Très bien, très bien. J'espère que ça va fonctionner. Ah ouais d'accord, j'ai rien du tout comme pad de lancement en plus. C'est. C'est SpaceX à l'origine. C'est ça, SpaceX Origins. Alors, c'est parti? Ah, attendez. Rapport de mission avant le lancement, je crois. Comment je fais ça? Parce que lancer le premier vaisseau, je peux. Oh putain de bordel. Ou que ça va vite. Ou que ça va vite. Oh la vache. M'attendais pas à ce que ça aille aussi vite là. Le nombre de G qu'il a dû se prendre dans la gueule. Oh la vache. Ben, heureusement qu'il n'y a pas ça dans le jeu, parce que là pour le coup, waouh waouh waouh. Il se serait mais mangé un sale truc. Je pouvais éclairer. On voit rien du tout d'ici. Pas du tout ça va tenir. Putain, j'ai complètement oublié de le régler le truc. Le parachute. Oh merde. Oh le con. Oh le con. On va mettre à 2000 mètres parce que là, vu le poids du truc, on va pas l'ouvrir à 500 mètres du sol. Ah ouais, je peux pas transmettre les données. Ok, là on devrait arriver à des... Ah, ça va. Rapport d'équipage. Écoute, on les accueillante tandis que vous observez longue vase grâce sur le littoral. Très bien. Voilà, c'est bien, du coup j'ai juste à le faire redescendre en fait. On va du coup accélérer le temps, ça redescend à 7 mètres par seconde, ce qui est quand même pas mal. Ah, il y a des G dans le jeu, tu peux voir qu'on arrive 3. Ah, 9-1 Seulement 9-1. Waouh. Déjà que des fois, on a du mal à se lever le matin avec juste un G. Non mais pourquoi j'ai décéléré? Alors, on va gentiment atterrir au sol. On va atterrir pas loin. N'empêche, je trouve ça un peu bizarre que le... Bah si, vous allez me dire, c'est un peu chiant à transporter une fusée. Du coup, transporter super loin. Je trouvais bizarre que ça soit vraiment accolé le pad de lancement et tout. Mais très bien. C'est impossible de le transmettre. Très bien. Donc là, du coup, il peut sortir en... On peut sortir en sortie extra-véhiculaire. Oula. Alors, Houston, je suis arrivé sur une nouvelle planète qui ressemble fortement à chez nous. Il y a exactement les mêmes bâtiments. Et je suis très content.
Trop drôle. Ok, bah très bien. Super. XP de gagner. Est-ce que là toute mission a été faite? Ah, ça a pas marché ça? Ah putain, j'ai dû oublier de faire la science avec les... C'est moi. Disponible. Réaliser une analyse d'observation poussée de carbine. Nous devons tester une nouvelle technologie en réalisant un... Rendez-vous sur le titre de test spécifié et récolter quelques rapports d'observation. Obtenir un rapport d'équipage durant un vol à une altitude inférieure à 10 400 mètres de grandeur de... Ah, oh, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal, surtout que c'est sur la durée, donc on peut le faire tranquillou. Et c'est de la science, on va essayer de faire de la science. Faisons de la science. J'ai rien débloqué de nouveau, évidemment. Je suppose qu'il va falloir utiliser la science pour débloquer des trucs. Je vais d'ailleurs passer au bâtiment de science, je suis bête. Bâtiment de science... Recherche et développement. Alors, physiologie de base ou ingénierie du dimanche. Ça donne quoi? Découpleur. Ah, le découpleur, ça pourrait être pas mal. Thermomètre, communitron, communitron. Ah, le communitron, c'est pas mal pour communiquer des... Ok. Je vais juste récupérer ton pilote, t'as oublié le vaisseau par terre. Je suis un débile. Va falloir s'habituer à ça, je suis un peu un débile. Rechercher, c'est instant? C'est instant, super. Et là, de ce côté-là, propulseur à réglage liquide et réservoir. Ah, on commence à avoir des bons trucs. On va commencer par la les deux, parce que honnêtement, physiologie et tout ça, c'est nécessaire, quoi. Stabilité... Un coupleur radial. Ah d'accord, en fait ça va être tout ce qu'on utilisait jusque là, mais on va la récolter au fur et à mesure. Très bien. Ah mais j'ai lâché ma fusée, elle est au sol là encore. Du coup si je sélectionne le truc. Ok, donc j'ai bien récupéré les trucs. Bien obtenu la science. Ah et je récupère des fonds parce que sinon je lâche tout. Ok, très bien. Ah bah c'est cool ça. Donc là normalement j'ai dû faire une deuxième mission. Et ouais, super. Donc celle-là, c'est celle que j'ai quoi. Est-ce que je peux faire, dis-moi fromage de blanc, celui qui a l'air d'être pas mal au taquet encore là. Est-ce que je peux faire deux missions de, enfin je peux faire deux enregistrements de rapports via les, via une étude là, les machines d'étude ou en même temps sur une seule mission. Je me demande. Sinon, je fais d'autres trucs pour réaliser ce test, activer la pièce de FIFA. Nous débordons de découpleurs T12 et personne ne sait comment ils fonctionnent. Alors, on en a fait plein. Mais on sait pas trop quoi en faire. Du coup, bah, on sait pas à quoi ça sert et tout. Donc, si tu pouvais te tester, s'il te plaît, là, ça serait cool. Ouais, au pire, je fais celle-là. Hein. On va en lancer plein. Du coup, je vais commencer par celle-là, ça va être tranquille. Comme ça, je vais mettre le découpleur en plus. Bien. Découpleur. Hop. Donc là, il va falloir faire la science. On va faire, on va appeler ça puceron V2. Est-ce que c'est une V2 quand même? Donc ça nous a coûté 3000 et des boîtes. C'est pas grand chose par rapport à notre... On a quand même pas mal de la thune. Et donc du coup la mission c'est obtenir un rapport d'équipage durant un vol à une altitude inférieure. Ou pardon, à 18 500 mètres. Pas à ma connaissance, ou alors il faut un équipement spécial qui stocke les rapports de science. D'accord, très bien. Ben voilà, donc du coup j'ai eu la bonne idée. On va tester le découpleur, ça c'est facile. Ça peut être le bon, hein. Découpleur T12, oui.
Et on va ensuite faire un rapport de vol de minuit. Alors, il va falloir être un peu au taquet, d'après ce que j'ai compris, parce qu'on va vite monter. Et ben, c'est parti! C'est ça, hein? C'était pas ça. Peut-être que c'était pas ça. On verra bien. Au pire, je vais tester. C'est le découplage que je vais tester aussi, hein. Alors, on va attendre qu'on redescende gentiment. Normalement, je devrais même pas atteindre l'altitude limite. Ah, c'est un rapport d'équipage, d'accord, donc c'est bien ça. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le chier encore. Ah mais quoi que, à 1000 mètres, ça devrait largement fonctionner. Ah, il faut que je vérifie juste un truc. D'accord, c'est bien le rapport de machin. Allez, ouvre toi, tracasse pas, je veux juste pas que tu t'écrases. Nickel. Ah! C'était les pièces de bidule. Je sais pas où elles ont atterri, mais elles ont mal atterri. Ah voilà! Bah super! Hop, et donc c'est là, c'est récup vaisseau. Bien super! Ah non, on peut bien faire les observations directement comme ça. Donc là, j'ai bien fait les observations de la glérine, mystérieuse au-dessus de carabine, et le rapport d'équipage. Donc en fait, on peut enchaîner les deux. J'ai l'impression. Pièce, contenant la glérine mystérieuse. Ah, ça en a fait deux, d'accord, ok. Ah super. Mission. Attends, quoi? Ça a pas fonctionné? Ah putain, c'était pas du tout ça en fait. Quoi? Ça non, ça a fonctionné. Alors va falloir arrêter de me péter les couilles. Je viens de les faire. Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ça, peut-être que je me suis raté parce que c'est près de grandeur de Chris Barron et c'est pas tout de suite, on dirait. Je sais pas où est-ce que c'est. Et l'autre résiste au test d'activer la pièce depuis la file des séquences sans que toutes les conditions de test soient remplies. Ah! Peut-être ça le souci. Conditions de test. Quelles sont-elles? Je sais pas quelles sont les conditions de test. Que je le renvoie, je peux essayer de le renvoyer. C'est pas hyper grave. Alors, on va essayer de... Conditions de test.
Condition de test. Alors, le point de bidule, je suppose qu'il est pas à côté. Ouais, c'est ça. On est carrément pas au bon endroit. Ça, je peux bien comprendre. Il faut activer le découpleur au sol. Quoi ? Bizarre ça. Ah, posé. Ah, ils entendaient ça dans le sens. Ok. Oh. Ok, d'accord, j'avais pas compris ça. Putain, on dirait que c'est un Québécois qui a fait les. Non, je rigole. C'est juste que j'ai un petit traumatisme impartiel. Ah d'accord, c'est là qu'il faudrait faire le truc. Ok. Très bien. Oh. C'est, j'ai un petit traumatisme d'un partiel de sécurité informatique au Québec. C'était horrible. C'était horrible, c'est impossible de comprendre les questions. C'était ni non, enfin c'était pas un Québécois pur. Pas vraiment un Québécois, c'était un expatrié qui était arrivé au Québec et qui avait du mal à parler des fois de temps en temps. Du coup il y avait des triple négation dans des phrases, dans des paragraphes qui. Enfin, dans des phrases qui étaient qu'un paragraphe complet, du coup c'était affreux. Alors, du coup, il faut activer le découpleur quand on est posé au sol, bah très bien. Easy, j'ai envie de dire. On est sur Kirby et on est posé. Et testé! Même pouvoir rentrer. Ok, donc là normalement on a testé, on a fait la mission. Ah ah, c'est bien. Donc celle-là, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir aller plus loin et c'est un peu plus chiant. D'accord, ça c'est des points, c'est dur. Tester le parachute. En vol, altitude 3000 ou 9000 mètres. Wow. Comment fixer le parachute aux autres MK16, aux autres pièces, par le bas, par le haut. C'est test à la con. Alors, on va tester le parachute du coup. Donc les conditions, c'est carbine en vol, altitude 3000 ou 9000 mètres et vitesse... Ok, d'accord. On va mettre par là. Très bien, on va essayer comme ça. Je sais pas si ça va marcher. Je vais quand même changer le place du découpleur parce qu'il est pas du tout au bon endroit. Est-ce que... La question c'est, est-ce que je vais arriver à atteindre les 110 mètres par seconde? À tester, hein. J'ai un peu de thune. Ça coûte pas super cher cette fusée. Ah, je vais carrément trop vite. Mais c'est le retour qui va être intéressant en fait. C'est le retour. Donc là, l'altitude est la bonne, mais je vais carrément trop vite. Ou alors je peux tester. Là maintenant. Eh yes! C'est testé. Là il est armé, il a été testé. Un peu tournoyant là. Il est tout content, c'est un tournoi de ouf. Mais par contre j'aurais peut-être pas dû l'ouvrir aussi haut, c'était au cas où. Il va seulement s'écraser au sol. Ah, bon. On a pour un petit moment le temps qu'il descende. Je vais boire un coup.
Alors. J'aurais jamais dû l'ouvrir à 3000 mètres du sol. Bon. C'est pas beau dehors. Hein. J'ai putain rien à dire là pour le coup, c'est chiant. Ah. Oula. Deux notifications. Ah non, d'accord. Des petits commentaires sur la vidéo sur le problème Star Citizen avec ce titre putaclic d'une infinie. Ah, c'est intéressant là, pour le coup je viens de lire un commentaire qui vient d'être posé qui concerne la question de l'argent sur Star Citizen et qui dit que on a... Ah, oh, c'est fini, ok, cool. Bien, on a en France un rapport tabou avec l'argent et que effectivement ça se ressent sur notre ressenti avec Star Citizen. Ce qui est pas con, j'avais pas pensé à ça, effectivement. Toujours notre rapport avec l'argent qui est très différent de celui des Américains. Très bien. Ouais. Échappez-vous hors de l'atmosphère. Alors là, par contre, il va me falloir un peu plus de science parce que je crois que je vais pas avoir assez. Le propulseur. Bah, ça on peut le faire aussi, c'est tranquille. Tester des trucs. Hein. Je vais en profiter pour. R&D. J'en ai plein. 18, 15, stabilité ou fuséologie générale. Alors, fuséologie générale, promisseur allergonique et débrouillard, cogneur, réserve. Ah, ça c'est pas mal, ça permet d'aller plus loin. On va commencer par ça, je pense que la fuséologie, on va en avoir besoin. Et je crois que je vais avoir besoin de pas mal de science en fait. Alors, du coup, là il faut qu'on aille tester le propulseur allergonique solide puceron. Bah, encore lancer cette putain de mission à la con. La question, est-ce que j'ai un... réservoir à ergol solide. Ergol liquide, ergol liquide. Non, j'ai que des... Hello, Oulon. Oulon, je dois encore écorcher un pseudo, je suis désolé. Eh ben, on va lancer ça. Je voudrais voir un petit peu, là, il faut que je regarde un petit peu comment ça fonctionne, cette histoire de science, enfin... Ça fonctionne, j'ai compris comment ça fonctionnait, ça c'est pas le souci, c'est tous les biomes de Carvine. Il y a des biomes sur cette planète? Bon, il y a la flotte, il y a la terre, les montagnes. Je peux pas dézoomer plus. Faut m'apprendre des trucs, hein, parce que là pour le coup, je suis à 3 heures de jeu. Voilà. Et bah allez, c'est parti, il faut tester juste ça, c'est tester le propulseur à ergol solide, c'est parti, bon, voilà. Ça c'est testé. On va observer la graine mystérieuse, ça va faire 0,4 science. C'est vrai que du coup, 0 science. Il y a côté mer, prairie, montagne, d'accord, donc faut visiter les trucs quoi. Ah, je peux essayer d'incliner les trucs. Ah, j'aurais peut-être dû essayer de les incliner. Puis ça peut pas changer grand chose. Pôle sud et pôle nord, j'imagine. C'est possible aussi, ouais. Oui. Vomitron. Oh, j'ai peut-être fait le con là en fait. Wouah. Attendez, il a été activé comment mon parachute là? Peut-être que j'ai fait de la merde. Tu visites et tu emploies les éléments de science, raccord d'équipage et rapport de VA. D'accord. Donc faut juste aller se balader dessus quoi. Est-ce que je l'ai encore activé beaucoup trop? Je l'ai encore activé beaucoup trop. Mieux. Parce que sinon on va encore avoir pour 20 ans pour revenir. Faut pas que je l'oublie celui-là. Ah, donc en fait faudrait que je me balade en carbine. Je me balade en carbine et je tente un rapport. Mais c'est ton para par défaut, ouais.
En fait, j'avais fait un test pour un autre truc plutôt. Pour ça qu'il était si haut. Il était carrément plus haut. Allez, on va descendre. La mune! J'ai failli m'atterrir dessus justement. Ah, encore cassé mon. Super. Wink. Donc là, si tu dis je passe en AEV et je peux. Peut-être que. Ouais, ok. F. D'accord. Je pars rentrer dedans. Oui! Ah, rapport d'AEV. Ouh, 2,4 sciences, ça c'est pas mal. Je n'avais pas vraiment besoin de combinaison spatiale pour venir jusqu'ici. Hein. Je valide. Ah, j'adore les blagues. Ouais, je suis assez facile pour les blagues. Hein. C'est quelqu'un qui se pose pas trop de questions. Poink. Tu peux rentrer, il faut te raccrocher. Alors, on va rentrer. Hop, hop, hop. On va repasser en vitesse normale parce que sinon ça va être chiant. Embarquer. D'accord. Donc là, je peux récupérer le vaisseau avec le carbal dedans. Nickel. Donc j'ai gagné 2,4 sciences, ce qui est cool. Bien. Alors, mission suivante. Est-ce que j'ai de quoi m'échapper en dehors de l'atmosphère? Peut-être. Sinon, propulseur ergol nickel, Geronimo. Découpleur radial. Ouais, j'ai des tonnes de tests. J'ai envie de me lancer dans un truc un peu plus solide. 70 000 mètres. Ah, mais j'ai peut-être pas assez en fait. Donc, si, je devrais avoir assez. Je pense que là, vu ce que j'ai acheté. Alors, nouveau vaisseau. Ça. Ça. Découpleur. Ça. Réservoir. Il faut qu'on aille à 70 000 mètres. Ça devrait aller. Je vais en mettre 2, 3. Ah, 3. Je pense que ça devrait aller déjà. Propulseur. On va avoir besoin du Geronimo, je crois, qui demande de l'ergol liquide et de l'oxydant. Est-ce qu'il y a les deux? Si tu veux un vrai conseil et pas passer 6 mois à débloquer, bah vas-y, je suis toujours preneur. Après, c'est une partie test, hein, je vais pas non plus. On commence une partie, augmente le pourcent de récompense. D'accord. Ouais, mais c'est de la triche. C'est de la triche. Enfin, c'est de la triche. Non, c'est pas de la triche. Hein. S'il y a des options comme ça. Carrément facile, le jeu est très hard. Ah, je suis en mode normal. D'accord. Ok. Super. Je vais tester un peu si ça fait quelque chose si je le mets dans la. Si je m'amuse à l'utiliser en dehors de l'atmosphère. La question c'est est-ce que j'ai assez de propulsion? Bah, 70 000 mètres c'est assez haut quand même. Donc on va peut-être rajouter des trucs. Ok. J'ai pas de découpleur radio? Si, je crois que j'ai des découpleurs radio. Pas du tout. Du coup, je peux pas les mettre sur les côtés, ou alors ça va être compliqué. Ah oui, mais je m'en fous. Quoique, je vais en perdre beaucoup, en fait. J'ai déjà 5000. Ouais, à toi de voir combien tu augmentes, car de base, c'est 100%, tu peux monter jusqu'à 500%. Ouais, ça peut être une bonne idée, mais peut-être que je ferai ça en solo, pas là, juste comme ça. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment une après-midi tranquillou. Je comptais pas stream à la base le dimanche, normalement je stream pas le dimanche. C'est juste que, comme internet en résidence universitaire, là pour le coup, avait tendance à déconner à juste les moments où je voulais streamer en soirée. Et du coup, là, je stream avant la soirée, avant que internet se mette à déconner. Voilà. Je me pose la question, c'est est-ce que ça va aller jusqu'à 70 000 mètres? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut que je raccroche des trucs sur les côtés?
Je me tâte, hein. Je me tâte vraiment. Ça me fait quand même 2000 de plus. C'est pas rien, quoi. Bon, on va tester avec ça. Au pire, c'est pas grave si je me plante un coup. Très bien. Découplage, je récupère mon carbine. Faudrait pas que ça coûte trop cher, en fait. C'est surtout ça, parce que je vais perdre cette partie-là. Ça va me faire chier. Mais bon. J'arrive pas encore à faire des fusées réutilisables à la SpaceX. Donc là, c'est plus le machin. C'est une Gironimo. Gironimo B1. Moi, je contrôle mon ISS. Oh, le mec, trop fort. Très bien, objectif 70 000 mètres. C'est parti. Est-ce que j'ai fait un truc qui va aller pas? Il y a un truc qui va pas là. Qu'est-ce que j'ai raté? Bon, moi ça va pas me coûter trop cher normalement. Ça m'a coûté un peu cher. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, c'est bien ça que j'ai lancé en premier? Ou alors c'est mon Gironimo, il a pu la merde. Gironimo. Ergol liquide et oxydant. Ne dis pas qu'il n'y a juste pas d'oxydant là-dedans. Si, il y a l'oxydant. Échappe, relancer le vol, ça coûte rien. Ouais, mais là je pense que c'est pas le vol qui est souci. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai que j'aurais dû lancer ça. Putain, je suis con. Alors attendez, hop, on va relancer. Tant pis, échappe, relancer le vol. Ça coûte rien. Tu peux revenir direct au garage. Ok, on va tester ça. Déjà, ça. J'ai oublié les gaz. C'est moi. Tapez pas. C'est juste moi. Je suis fatigué. La fin du week-end, je suis fatigué. Bien. Objectif 70 000 mètres. Le sas. Je devrais même pouvoir tester un truc. Ah non, je serais pas du tout. Ah, je serais pas du tout du bon côté. Ah là, oh là, ouais, j'ai fait de la merde. Oh là, j'ai fait de la merde. C'est pas ça. J'essaie d'aller vers le point de Lagrange. Enfin, le point de Lagrange. Pas le point de Lagrange du tout. Le point de machin là. Saleté de carbine, il voudrait bien. Oh, ça va être super dur d'y accéder. Et les RCS avant 10 000, ça sert pas à grand chose. Je sais pas ce que c'est qu'un RCS là pour le coup. Est-ce que je vais arriver aux 70 000? La question est là. Ah si, ça doit le faire. La question c'est, je pense que je vais pas du tout arriver. Ok, ça c'est bon, hors de l'atmosphère, on est bon. Les RCS, c'est les petits cheats qui te poussent dans l'espace. D'accord, ok. Mais là, j'en ai pas sur mon vaisseau, j'en ai pas mis. Ah, plus 10 de science, et bim! Rapport d'équipage, plus 5 de science, allez bim! Bien. La question c'est, est-ce que je vais réussir à récupérer mon carbine en vie? Rien n'est moins sûr.
j'ai comme l'impression que ça reste d'être un peu compromis parce que je suis, le saut de puce est allé un peu haut. Tu vas pleurer quand ça coûtera 160 de séance. Ah oui, je pense que là oui je vais pleurer. Alors. Et 160 c'est la moitié. Oh putain, la moitié de l'arme, d'accord. Je vais tellement pas y arriver. Ok, donc là il redescend gentiment. Par contre je suis pas du tout... ouais, c'est carrément... Très bien. Je vais tellement m'écraser comme une sale merde en fait. Alors, je l'ouvre assez haut. Je pense que je vais faire ça. Ça me paraît un peu intuitif. Et je suis pas sûr que ce soit bon. On va bien voir. Découpe le tout. Très bien. Ah, allez, c'est parti. Je suis les conseils là. J'ai pas mis de bouclier thermique comme un con. Wouhou! Mes trois en rétrograde, c'est le roi avec la croix. Ah non, quoi? Qu'est-ce que c'est que le roi avec la croix? Bah! J'ai oublié d'activer le parachute. Ouais. Très très. Ouais, mais non, mais je suis d'accord. Hein. Le rond jaune avec la croix sur la nav ball. Ça? Restart le vol, ouais, on restart le vol si tu veux. Hey, Starboy 9444, putain, j'arrive pas. Restart le vol, ouais, bon. Revenir au lancement. C'est arrivé pile au moment, où j'ai perdu bêtement un pauvre Carmine. Bon, on y retourne. J'adore les effets de fumée en dessous. Mais Scott qui arrive pile au bon moment. Au moment où je tue salement un carbine par un oubli d'ouverture de parachute. Oups. C'est pas ma faute. Donc, alors, on va retourner. Hein. Donc, normalement, ça, l'allée, ça va. Juste que j'arriverai jamais, je pense, à atteindre cette. Dessous de. Ah, mais en fait, je pourrais y aller à pied là-bas. Je pose la question. Bizarre. Ça revient en arrière. J'ai oublié de... Ok, j'ai oublié de mettre le sas. Putain, j'ai toujours des trucs à la con. Je vais essayer de me diriger vers la grandeur de l'île, là. Je vais essayer de ralentir un peu. Je vais pas défoncer mon... Alors, on va remettre cette histoire-là. Le trou noir, c'est un mode? C'est quoi le trou noir? Y'a pas de trou noir? Je connais pas le jeu, hein, au fait, hein, donc... Déploiement sûr, dangereux. Très bien. Donc là, faut que je vois... Ouais, les 70 000 mètres, ça va être tranquille. Accélère un peu le temps. On va faire le retour. Quand ça va
On va arriver à l'apogée. Apoastre, pardon. C'est l'apoastre. C'est l'apogée de la courbe, non? Je sais pas. Gentiment. On voit tout de suite des galaxies et tout. Ils ont pas beaucoup de pollution lumineuse. Hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas annoncé de live et tout. Ouais. On est presque 10. Alors. Je vais rentrer à 10 000 km/h, ça va être chiant. Je vais tellement. Ça va tellement crever. Pauvre Kermin. Découplage. Ça va être tellement l'enfer. Ça va être tellement l'enfer. Je vais essayer de pas oublier de sauver mon petit Kermin. Aïe 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 aïe. J'aurais dû mettre un revêtement. J'aurais dû mettre un revêtement. Il va tellement mourir. Reste en vie, mon cochon. Reste en vie. Ah 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 ah. Les deux. Il y a un des machins qui a. Ah merde, j'ai oublié de faire la science. Oh le con. Bon tant pis. Je suis quelqu'un de teubé, Du coup je vais. Je pense que ça devrait aller si je déploie plus loin. Bien. Plus qu'un kilomètre à descendre. Dans une mer assez plate. C'est long. Là pour le coup c'est un peu long. Et j'ai oublié de faire la science qui est un peu con. Joli rapport. Je suis sur l'eau là? Ah non. Plouf! Wow. La question c'est qu'est-ce qui se passe si je sors? Est-ce que c'est normal ces tremblements de ouf là? Wow. C'est une situation pour le moins précaire. On va vite arrêter cette histoire parce que ça va pas aller. Wow, je sais pas ce qui s'est passé. Bien, nous avons Amérique. Ah, ça doit être le x4. Putain, j'avais complètement oublié que c'était le x4. Non, mais il va falloir m'habituer au jeu, hein. J'oublie des trucs dans tous les sens, mais c'est pas rigoureux du tout. Alors, actif, réaliser toujours l'analyse à la con, il faut déjà y aller à pied en fait. Bouclier thermique à tester sur l'aire de lancement. Super. Carbine, aire de lancement. Et non, pas du tout, c'est ça que je voulais aller. On va aller reprendre notre puceron V2. On va mettre un bouclier thermique en plus. Bien. Non, je vais pas faire de sport. De toute façon, je vais bientôt arrêter. Avec le V3. Simplifier son. Ok, et tester le machin. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, 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 ah. Je voulais revenir.
En fait, comment je fais pour le tester? Je veux bien le tester, mais cliquez sur le bouton test dans le menu action de pièce. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Très bien. Bah du coup, faut faire le. Ne pas se planter. Okay. Oh là. C'était pas ça que je voulais faire. Très bien. Ça non plus. Ah merde, le con. Ok, bon bah. Notre planète. Très bien. Je suis parachuté pas dans le bon sens. Ça c'est bon, on a testé le bouclier thermique. Patience. Mais j'ai des fonds. J'ai des fonds, ce qui est pas mal. Plus c'est vous en orbite, ça va être compliqué. Bouclier thermique en vol au-dessus de la cible. On peut tester Gironimo, celui qu'on avait. On va essayer de faire de la science un peu mieux aussi. On avait un Gironimo V1, oui. Bien, donc Gironimo V1. Ça nous permet de tester Gironimo. On peut pas tester d'autres trucs. J'ai combien de science? On va le voir ici. 42. Nickel. R&D. Construction. Putain, c'est super cher! Wouah! Survie. Bouclier thermique. Baromètre. Panneau radiateur. Jambe d'atterrissage. B utilitaire. Parachute radial. Parachute radial. Stabilité. Putain, mais merde quoi. Ça, c'est tout ce qui concerne l'aviation. Mais je suis une bite en aviation. Donc, déjà que les fusées, c'est pas ça. Mais alors, l'aviation, je vous dis pas. Science de base, il me le faudrait parce que. Quoique. Ah, si, bah si, je pense qu'on va en avoir besoin si on veut pouvoir envoyer des trucs. Si on veut... En fait, cette zone-là, ça doit être indispensable à partir du moment où on veut avoir plus de science. Là, toute la zone du bas. Du coup, bah, survie. Hein. Waouh. Bien. Le baromètre sert à faire de la science. Très bien. Baromètre Pressmat. Bien. Très bien. Nous allons pouvoir peut-être ajouter un baromètre. Non. Ah, mais putain. J'étais en train de faire du montage avant de commencer, ça. Du coup, j'ai des réflexes de mon logiciel de montage. Communitron, ça c'est l'antenne. Quelle est moche. Quelle est super moche. Science, baromètre. Ok. Je vais virer un des machins, de toute façon ça sert à rien. Ah, il y en avait. Ok. Ok. Le thermomètre. Comme ça a l'air d'être assez léger par rapport à ça. Ah ouais, faudrait peut-être qu'on équilibre un peu ça. On pourra même les transmettre. Alors attendez, je vais essayer de voir un truc. Ah, nécessite une charge électrique, mais normalement il y en a dans le cockpit.
Ok, communication c'est bon. Parachute c'est bon, parachute de freinage. J'ai quoi comme mission? Tester le propulseur, donc bah ouais, en fait c'est bon. Hein. C'est une V2. Alors, ne pas se planter. Pour réussir le test, activer la pièce depuis la file des séquences lorsque toutes les conditions de test sont remplies. C'est bien? J'ai oublié de mettre les gaz. J'ai oublié de mettre le SS. J'ai oublié plein de trucs. Ok. Maintenant, faisons de la science. Plus 2,4. Ah d'accord, transmettre, ça donne beaucoup moins. On va essayer de les garder en vie, du coup on va espérer que ça fonctionne. C'est le mal tout. Faut pas que j'oublie de faire un rapport d'équipage tout en haut. Alors. Oh la vache. Ah putain, juste en train de les casser là. Ouf. Gentil. Ne cassez pas. Ne cassez pas. Ça fait un peu mal. Ça fait toujours pas. Put. Plus. C'est quoi ça? Je voudrais faire un rapport des piles. Ah voilà, plus 5 de science. Ok. Ah, plus 10 de science. Donc là normalement je dois avoir plein de sciences de disponibles. Ça va bien marcher. On va même pouvoir. Je vais si loin. Ah. Ah merde, j'étais dans la grandeur de Chris Behron. Merde. Ah oui, mais j'étais carrément au-dessus. Oh, ouf, putain. J'ai eu un petit problème, là. J'ai vu le truc arriver à 5, en x50, j'ai fait oula, oula, oula. Reste en vie. J'ai perdu certains morceaux. J'espère que ça va me garder les trucs. Sinon je relancerai le truc. Ah, c'est possible que ça ait tout cassé. Ah merde. Wow, j'ai complètement oublié de faire la même chose. Comme d'habitude, j'avais oublié d'activer le parachute. Putain, c'est chiant ça. Peut-être que je... Bien. Est-ce que ça a gardé les trucs ou est-ce que je l'ai dans le cululu et j'ai perdu les données? Eh ouais, j'ai perdu les données. Dans le cululu. Bien. En fait non, pas bien, mais bon. Au moins je sais qu'il faudrait que je les transfère la prochaine fois quand je suis pas sûr de les récupérer. Et là pour le coup c'était pas possible. Tester protecteur. Ah, pilon sur une trajectoire suborbitale au-dessus de Kervin. Ah, il faut le lancer plus tard. On peut essayer ça. On peut essayer ça. On va faire une nouvelle fusée du coup. Bon, alors. Est-ce que ça serait une V3 de Geronimo? C'est celle-là qu'il faut rajouter à côté. J'ai des découpleurs radio? Non, toujours pas. Ouais, ça va être tendu. Ça va être tendu cette histoire.
Ou alors. J'en veux moins, j'en veux juste moins. Oui, ça n'a pas vraiment de sens. Ah, oh, oh, hop. Ça n'a pas vraiment de sens cette façon de faire, mais je voudrais juste que ça coûte moins. Qu'est-ce qu'il y a que leur 64? Tu vois mon niveau de jeu et tu commences à pleurer? Il y aurait de quoi. Hein. Et ouais, et ça va être compliqué encore de refaire de la science. Même avec un bouclier thermique, il faudra que j'essaie de les envoyer. Ah oui, ce qu'il faudrait peut-être que je fasse. J'ai un bouclier thermique. Pour éviter toutes les merdes possibles et inimaginables. Normalement, le bouclier thermique devrait un peu m'aider. Ok, on va essayer ça. On va juste lancer dans l'espace à ce niveau-là. Hop. C'est la V3. Oh merde, c'est trop lourd. Les aires de lancement ne peuvent... Ah putain. Y a pas moyen d'améliorer cette aire de lancement ou c'est... Non, c'est pas ça que je voulais. Ah. Améliorer une aire de lancement. Bâtiment administratif. Non. R&D, c'est dedans. R&D, je suppose. Il faut payer, c'est clic droit dessus. Ouais, il y a des clics droits aussi. Améliorer 50 000. Ah oui, c'est cher. Mais je pense qu'on va en avoir besoin parce que voilà, pour l'instant, on peut pas faire des bons trucs. Allez. Tester ça. Et cette fois-ci, je vais envoyer la science. Pas hyper équilibré cette fusée quand même. On va. Ouais, c'est ça. On va commencer par ça. Elle est bloquée? Ou il y a juste pas assez de poussée? C'était pas ça. Je pense qu'il n'y a pas assez de poussée tout simplement. Eh merde. C'est le vol. J'ai pas assez de poussée dessous. J'aimerais faire ça. Alors, comment je vais gérer ça? Parce que pour le coup... En fait, j'ai pas mieux. Ou alors, j'en ai juste qu'un. Ça va être hyper déséquilibré. Ou j'en mets deux paires. Toujours plus. J'en mets deux paires, allez. Alors, je peux pas en mettre qu'un parce que ça va être super déséquilibré. Je peux pas bourrer plus au milieu parce que tout simplement c'est le moteur qui est pas assez puissant et j'en ai pas d'autres. Enfin, si j'ai le puceron, mais le puceron il est moins puissant du coup. Ah non, c'est juste moi. On va peut-être pas en mettre deux du coup. C'est parce que j'ai un autre truc qui est mieux. Ça serait le débrouillard V1. Ok, donc là ça serait lui, ensuite E, ensuite lui. Peut-être que là ça va passer, c'est peut-être plus léger.
Voyons voir. J'ai oublié de mettre les gaz. C'est pas assez. Ah, si, si. Ah, oui, 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 on arrive à s'échapper. Ah, putain. Ah, ah. Oui. Bon, c'est pile poil ce qu'il faut pas. C'est pile poil ce qu'il faut pas. Du coup, pas trop le choix, je suis obligé de mettre... Je suis obligé d'en mettre deux paires. Chiant. Ok. Très bien. Donc c'est... Eux d'abord, on va voir si ça suffit. Ensuite c'est lui. Ensuite c'est les deux autres. Il faudrait que je les lance au bon moment. Ok. Alors, on va tester ça. Ça a l'air d'aller, ça tremblouille. Hein. Oula, oula. Tremblouille un peu. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'était caca. Faire. Qu'est-ce qui va pas là, je suppose que c'est le fait qu'il y en ait 4, ça rend la structure super instable de ouf. Ça rend la structure super instable. Est-ce que je peux scinder des trucs? Juste en prendre un. En fait, j'aimerais bien juste en prendre un, limite. Ah mais non, mais ça va avoir aucun sens. Bah c'est dur. Accroche les murs. Ouais non mais ils sont accrochés juste comme ça et j'ai rien pour coupler. Pour coupler mieux que ça en fait. Ou alors. On va faire le schlag. Puis non. Ils sont où? Avoir. Oula. Comment il s'est installé là? Bon. Ok. Agrandis plus encore. Bon, on va tester, hein. Je vais essayer avec ça. J'ai pas touché au clavier. Je vous assure que je n'ai pas touché au clavier. Oh merde. Quoi, y a un vent de ouf? Là ça a pas le même comportement. Y a les problèmes de vent et des trucs comme ça dans le jeu là. Encore en vie. Hop, hop. Évidemment, j'ai cliqué à côté. Ah, ça a fini par exploser. Je comprends pas.
récupérer le vaisseau. Ah, pour le coup, je comprends pas. J'aimerais bien finir par ça, en fait, avant d'arrêter le live. Alors. Peut-être que si j'agrandis plus encore, c'est peut-être une idée, effectivement. Tout ça pour ça, quand même. Il va partir loin, par contre, le truc. Aïe, aïe, aïe. Bon. Pourquoi ils ont la tremblote de ouf comme ça? Je comprends pas pourquoi ils tremblent autant. C'est trop haut, plus c'est moyen d'équilibre. Ouais, c'est vrai. Il y a ça. Il y a cette histoire aussi. J'avais pas pensé à ça, effectivement. Si c'est trop haut. Et on a rien du tout. On a rien du tout comme. Ah, on va peut-être, je vais peut-être tenter un truc. Oula. Cracher joliment sur mon vide anti-pop, c'est super dégueulasse. Je vais tenter un truc. Faudrait les attacher ensemble avec des câbles dans structure. Ah, structure, comment ça fonctionne cette histoire? Parce que... On peut le rotationner le truc. Ah ouais, et je peux faire ça. D'accord, et c'est pas des découpleurs. C'est moche. Très très moche. Est-ce que ça fonctionne ça? Salut, le problème de ta fusée c'est que les boosters une fois vides sont des points morts. Utilise des découpleurs radio, tu les débloques rapidement, tu en as peut-être déjà. Ensuite 4 boosters d'équilibre dans ta fusée car ils sont fixés à un seul point de la fusée centrale. Les découpleurs radio réduisent un peu la tremblote. Ouais, mais je crois que j'ai justement pas les découpleurs radio. Parce que en fait ce qu'il faut se dire c'est que j'ai testé quand même le jeu un petit peu avant de me lancer dans la carrière. Donc j'ai fait les fusées, j'ai même réussi. J'ai frôlé la mune aujourd'hui. Donc je suis allé un peu loin. Mais le truc c'est que là j'ai pas dû acheter les bons trucs. Parce que là pour le coup en termes de couplage j'ai juste des coupleurs classiques. Voilà. Du coup l'autre possibilité là que je pense... C'est en fait, comme j'ai pas encore de structure vide, genre un truc vide avec rien du tout dedans, je peux essayer d'accrocher ça assez bas. Un truc un peu, ça va être un peu tordu. Même carrément tordu. Si ça fonctionne, ça peut être cool. Voilà, un truc comme ça, mais vraiment tout con, hein. Je sais pas si ça peut tenir. L'avantage, c'est que là, j'ai juste la taille du truc qui compte, là, enfin, la taille des cylindres. Je les ai pas, ouais. Donc, en fait, l'objectif, là, pour le coup, c'est de tester le propulseur ergol solide pilon, donc ces trucs-là, là, au-dessus de 10 000, au-dessus de 10 000 pieds. 10 000 pieds, de 10 000 mètres, perles en mètres. Bon, et l'autre, c'est obtenir un rapport d'équipage durant un vol à altitude inférieure à 10 400 mètres, près de grandeur de Chris Barron, mais là, c'est un peu plus chiant, et je pense que j'ai un peu mal fait en prenant celui-là. Mais bref. Du coup, je vais tester ça. Sinon, je vais aller chercher de la science en allant un peu loin et en testant des trucs, pour essayer de débloquer les découpleurs radio. Ils ont pas la tremblote.
Hey, on tient peut-être un truc là. Si vous mettez cache booster, utilise la symétrie x4 car elles sont pas au même niveau et ça peut rapidement déséquilibrer ta fusée. Ouais, mais là le souci c'est qu'en fait il fallait que je lance des découpleurs. Ah, peut-être pas, fallait peut-être pas que je les lance. Ouais, je sais pas. En gros, là, moi ce que je cherchais c'est à allumer les propulseurs. Je cherchais à les allumer à entre 110 000 mètres et 120 000 mètres comme c'est marqué là. Mais je pense que c'est pas juste les allumer qu'il faut, c'est vraiment. Qui soit en cours. Et donc là, je vais pas y arriver du tout. Parce qu'en fait, je vais pas du tout avoir assez de puissance. Parce que c'est super haut, en fait, 110 000 mètres, 120 000 mètres. Il faut vraiment que je l'active au moment, quoi. Donc j'ai pas le choix, je suis obligé de lancer. Je suis obligé d'en lancer au moins un à l'altitude requise. C'est méga dur. Je pense que je me suis vraiment très mal pris au niveau des recherches parce que je l'aurais pas du tout. Parce que là, regardez, je vais en lancer 4, à peu près 4. On va dire que ça fait pas de taffer 4 étant donné que je les ai pas lancés ensemble. Ouais, je suis d'accord. Pour débloquer un peu de science, tu peux te balader dans le centre spatial, genre pad de lancement, hangar, à la piste d'avion, chaque lieu te donne un petit peu de science. Je pense que tu n'as pas le matériel pour faire cette mission sans se prendre la tête. Je suis un petit peu d'accord avec toi, Diamond Killer. Malheureusement, je suis un peu d'accord avec toi, et ça m'emmerde. Je pense que je me suis très mal pris. En plus, il fait sombre. Ouh. Dans l'espace. Un peu chiant cette histoire. Et là, évidemment, j'ai plus assez. Donc c'est à cette altitude-là que je dois aller. Ouais, c'est pas possible, en fait. Hein. Je pense que je peux pas y arriver juste comme ça avec un truc. Bref. On va relancer le vol. Voilà, c'est le vol. Et je vais récupérer le vaisseau avant qu'il se casse. Et du coup, je pense que je vais arrêter là parce que je commence à vraiment avoir faim. Je pense que je vais me faire à bouffer. J'ai pas goûté pourtant. Pourtant, je vais faire du sport comme un débile. Du coup, là, j'ai super faim. Il faut peut-être d'abord activer le corps de la fusée et ensuite les boosters. Mais le problème, c'est que si j'alourdis le corps de la fusée, les boosters. Enfin, en fait, les boosters, ils déséquilibrent parce qu'il faut que j'allonge la fusée. Et du coup, ils partent en couille les boosters sur les côtés. Quoique, c'est peut-être un truc à tester. Allez, un dernier test et après j'arrête là. Un dernier test, je vais pas en mettre beaucoup, c'est vraiment, vraiment léger. Est-ce que je peux l'installer comme ça? Ouais, hop. On va vraiment faire un dernier test, parce qu'en fait le truc c'est que si j'active juste lui, ça marche pas. Merci pour le follow du coup, Diamond Killer. Si j'active juste lui, ça marche pas, parce que la fusée en elle-même est beaucoup trop lourde. Du coup, faut que j'active les deux. Faut que j'en active au moins deux ensemble. Donc celui-là et celui-là. Ça me paraît bien. J'ai l'impression de revenir à ce que j'avais fait avant. Mais bref. Tiens le coup. Va-t-il fufu. Et j'ai oublié de mettre le. Ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible! Bref, c'est malheureux, c'est très malheureux, nous avons encore perdu les Kermines. Bah non, de toute façon je relance à chaque fois du coup il n'y a personne qui meurt, c'est super bien, retour dans le temps. Je pense que je vais arrêter là pour cette session, on reprendra, c'est vraiment cool en fait Kerbal Space Program, là je suis à quoi, je suis à 4 heures de jeu là déjà. C'est vraiment super cool, je pense que je reprendrai peut-être des streams dans le courant de la semaine, c'est vraiment sympa.
Et les boosters sont lourds, en fait les boosters que tu testes sont les plus puissants que tu as à ta disposition à ce moment, et du coup essayer de les porter à 110 km sans les utiliser, c'est pas facile. Toujours essayer de coller un gros booster à la place de ton petit moteur de la fusée, et celui que tu utiliseras pour valider la mission, et les 4 autres t'amèneront à 110 km. Ah ouais, ouais c'est pas con. Si j'arrive à... Je peux coller un truc en haut de... Ah ouais si, je peux en coller un. Ok, allez, un dernier test. Je m'accroche vraiment. Je sais. C'est... Donc là, les radios. Voilà, là, je peux en caler 4. Techniquement, il faudrait peut-être que je les cale plutôt vers le bas. Ok, on va tester ça. Est-ce que je fais des streams réguliers? Alors, j'essaye. Je dois dire que j'ai eu des petits soucis de ces derniers temps parce que, en fait, il y a eu des problèmes d'internet. Normalement, je fais un stream le samedi soir régulier. Même si là ça va être compliqué dans les prochaines semaines. Alors, il me reste 2 semaines de cours, après je perds la fibre, je perds tout parce que je pars en stage, bref. Mais là, sur les 2 prochaines semaines, je vais essayer d'en faire assez régulièrement, à peu près tous les soirs, mais j'ai des petits problèmes de connexion parce que je suis en résidence universitaire et des fois ça chie. Donc là c'est pétard mouillé. On va l'appeler pétard mouillé. Pétard, pas pétard. Des fois ça chie, donc j'essaie de faire des streams réguliers, mais c'est pas dit. Hein. Allez, c'est le dernier test, c'est la lutte finale. Déjà, ça tangue au démarrage, super. Allez, objectif 110 000 mètres. Mise à la connexion de la résidence. Mais ouais, à la résidence, on a une fibre en fait. C'est une résidence universitaire, on a une grosse fibre de ouf. Un truc bien vénère à coup de 100 mégabits par seconde en descendant et un peu plus en montant, ce qui est un peu bizarre, j'ai plus en montant qu'en descendant. Mais le souci c'est que de temps en temps, surtout en ce moment, il y a des problèmes de connexion et là les 2 derniers soirs c'était l'enfer, j'arrivais à rien, c'était pas possible, je pouvais même pas regarder une vidéo YouTube. Donc alors stream, c'était pas possible. Eh, on arriverait peut-être à quelque chose là. Alors j'ai plus d'ergol solide du tout. Ouais, je pense que ça va être difficile. Je pense que ça va être difficile. La porige. La poisse, pardon, sera. Ah oh, ouais. Carrément pas en fait. Dommage. Ah, c'est pas si loin quand même. C'est pas si loin. On est à 91 000 mètres. Je sais pas si rajouter un booster en plus, ça serait rentable. Si je peux en faire un à coup de 5. Peut-être qu'on arrivera à tirer les derniers qui manquent. Bon, mais vous savez quoi, je vais garder ça dans un coin de ma tête. Je pense qu'on va, on va voir à la fin. Mais je vais garder ça dans un coin de ma tête si ça fonctionne pas. Et je pense que dans la semaine, dans le courant de la semaine, je referai 1 ou 2 streams. Et on continuera sur Kerbal. Il suffit de réduire la poussée des 4 autres dans le hangar. Mais si on réduit la poussée, ça réduit quoi exactement? Parce qu'on va aller moins loin si on réduit la poussée, c'est un peu bizarre. Alors tu voudrais dire on vide le celui du milieu, on le mesure à 200. Genre au lieu de 100%, tu mets 70%, tu iras moins vite mais plus longtemps qu'il y aura moins de pertes à cause de l'atmosphère. Ouais d'accord, mais est-ce que c'est pas le entraîner dans l'atmo? Du coup, moins de hauteur. Ouais. Allez, la dernière. J'ai vraiment envie d'y arriver en fait. J'ai regardé mes FPS, mais 33 FPS, j'étais un peu. C'est un peu sale pour une 1080 Ti. C'est aussi une idée, mais moi je parle de brider le moteur. Ah ouais, d'accord. Si je mets des limiteurs de poussée à genre 70%. Ok, ça est fait sur tous. Et c'était ça. Hop, c'est bon, tant pis, allez hop. Donc là ils viseront moins vite. Moins traîner dans l'atmosphère, effectivement, ça peut être une bonne idée.
accélérer un peu du coup. Là, on est à 25 000 mètres. D'ailleurs, aller trop vite à la base d'altitude, tu auras une forte effort traînée autour de la fusée et si elle n'est pas stable, elle peut se retourner. Ouais, c'est assez logique. Enfin, je pense que c'est fait partie de ce genre de truc, faut le tester pour s'en rendre compte en fait. Un autre moyen aussi, c'est de vider quasiment le booster central et de garder juste assez pour l'activer. Ouais, c'est la question que je me posais, c'est est-ce que ça serait pas bien aussi de le faire ça? Parce que là, je crois que je vais pas y arriver non plus. Je vais même aller moins loin. Triste. Bon, allez, vous savez quoi, je vais... Voilà. Je vais pas tester encore ça plus longtemps, parce que j'ai juste faim, en fait. Du coup... Ce que je vous propose, c'est que dans le courant de la semaine, scrutez ma chaîne YouTube, je referai un live normalement si je peux, et s'il n'y a pas des trop gros problèmes de connexion, je referai un live sur Kerbal, un ou deux lives, ça va être cool. Du coup, voilà. Je vous préviendrai évidemment. C'est bizarre, mais oui, du coup, vider le booster central, c'est mieux. Bah ouais. Très bien, on fera ça la prochaine fois. Je vais revenir au lancement. Je vais récupérer le vaisseau avant qu'il se casse. Et puis sur ce... Hop, toc toc. Voilà. Sur ce, je vous remercie pour cette soirée. Finalement, il y a eu pas mal de gens. J'ai lancé le live, mais en mode total ninja. Genre, sortait de nulle part. Et finalement, il y avait des gens. Je suis plutôt content. J'espère que ça vous aura plu pour ceux qui sont restés là pendant longtemps. Et puis... Voilà. On se retrouve bien évidemment sur Kerbal. Dans la semaine, dans le courant de la semaine, il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube il y a une heure et demie là sur XCOM The Bureau des Classified, c'est un let's play. Je suis en train de préparer la prochaine grosse vidéo. Je l'ai enregistrée hier et je suis en train de la monter. C'est assez long mais c'est un peu différent d'habitude. J'ai essayé de faire un truc vraiment qui ressemble un petit peu à du reportage, c'est assez bizarre. Assez bizarre, non, ça a l'air. Je pense que c'est pas mal. Vous verrez bien. Et puis voilà. Et voilà, tout simplement, je vous souhaite un bon restant de soirée, et puis un bon lundi demain, une bonne semaine, et puis voilà, et je sais toujours pas finir mes lives, c'est super. Allez, salut tout le monde!